deux, trois, quatre. Où est donc la cinquième? Hé! Hey, tu n'es pas censé être là! Oh, jamais je ne t'attraperai, toi. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots, les T-Robots, les Parobots, les Barobots, les T-Robots, Costa Robots. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Ceci est donc la base de ces drôles de créatures que notre ami Teria essayait d'attraper. Ah ah ah! Ce secteur n'est pas sûr du tout avec ces créatures dangereuses en liberté. Chef, je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. En plus, notre ami Teria n'avait pas l'air de la trouver dangereuse. Il essayait d'en attraper une. Voyons un peu ce que c'est. Dico Robot, identification. Objet identifié. Une poule. Un oiseau à plumes qui a deux pattes. Il y a une poule qui se promène dans le coin. Et il faut que notre ami Teria la récupère. Eh bien ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique. On ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va ramener cette jolie poule à sa base et alors nous pourrons dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, ramener la poule. Faisons vite comme une météorite. Elle est ici. Bien vu, Rover. Chère madame poule, veuillez me suivre jusqu'à votre base. C'est pas gentil. On ne répond pas à un patrouilleur de l'air comme ça. Je vais m'occuper d'elle, chef. Écoutez-moi, madame poule. Vous allez me suivre jusqu'à votre base. Prenez note, Rover. Il faut que ces créatures locales comprennent qui est le chef. Oh, c'est pas gentil. Couchez. Oh, ne me suis pas, je t'en prie. Ah, suis plutôt Roger. C'est lui, le chef. Oh, ah, ah. Satellite en orbite. Ce n'est plus une, mais trois poules qu'on a en cavale. Je suis un Dico Robot, pas un attrape-poule. Dico Robot, tu viens tout juste de me donner une idée sidéralifique. On n'a peut-être pas d'attrape-poule, mais on a tous nos précieux robots. Il y a sûrement un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, le fait d'entre retenir. Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico Robot, activation. Brico Robot, à votre service. Bienvenue à cette mission, Brico Robot.
Il nous faut quelque chose pour attraper les poules. Des poules? Ouais. Ce sont des créatures fascinantes. Elles sont juteuses, mais elles sont rapides. Je crois avoir quelque chose qui fera l'affaire. Faisons vite comme une météorite, comme on dit. Monstritus! Maximus! Manograndus! Nom de gaz de Jupiter! C'est une énorme paire de mains, Bricorobo! Je ferais mieux de prendre le relais. Allez, Roger, vas-y! Comme c'est excitant! Oh, il n'y a rien de mieux que la chasse à la poule! Wow! Wow! Ça prend un petit peu de temps pour s'habituer à ces mains. Wow! Les robots! Peut-être que vous pourriez attirer les poules vers moi! À vos ordres, chef! Ces énormes mains me ralentissent. Mais les poules, elles, semblent gagner en vitesse. Oh, vilaine poule, je vous ordonne de ralentir. Je vous ordonne de ralentir. Enfin, elles m'obéissent. Comme je te le dis toujours, Rover, il faut que tu montres aux poules qui est le chef. Je crois que la boue les a ralentis. Oh, c'était surtout moi, vu que c'est moi le chef. Nouvelle idée de patrouilleur. Peut-être qu'on pourrait les ralentir en mode supersonique et les attraper. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, pour lequel on se décide. Il y a un robot pour ce boulot, qui est un expert en liquide. Liquirobot, activation. Liquirobot, à votre service. Liquirobot, as-tu un liquide pour faire ralentir des poules? Oh, mais bien sûr, chef. Démarrage de la sélection du liquide angluo-colorant. Ce sera un liquide super ralentissant collant. C'est le temps de ralentir. Ouah, ça alors, ce ne sont plus des poules, mais plutôt des tortues. Ça en fait deux. Il n'en reste plus qu'une. C'est elle, la chef. Je la reconnais à ses yeux perçants. Je vais l'asperger. Je vais la tirer vers toi. Oh, et moi, je vais m'enfuir. J'ai trébuché sur mon propre tuyau. C'est tout moi, ça. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait ralentir la poule. Par contre, la mauvaise, c'est qu'on est en mode supersonique, mais au ralenti. Vous, peut-être, mais pas moi. Je vais donc être responsable de cette mission. Ah, la poule, tous aux abris. Ah. La base des poules est sur le point d'être complètement anéantie. Il n'y a rien qu'on puisse faire, à moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille. Dans 3, 2, 1... Mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Même avec ses fusées, il est en mode supersonique, mais au ralenti. Il me faut plus de vitesse. Fusée de patrouille, maxi puissance. À leur base et à leur vitesse normale. C'est vraiment sidéralifique.
Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Le patrouilleur de l'air Roger. 1, 2, 3, 4, 5. Mes poules sont toutes ici. Merci beaucoup. C'est sidéralifique. J'arrive pas à toucher les valves. Peut-être que tu peux prendre un autre instrument. Je veux jouer du tuba. C'est mon instrument favori. Mais il est juste trop grand. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est là. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots, les T-Robots, les Marobots, les Marobots, les T-Robots, Costa Robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Il y a vraiment beaucoup de choses étranges dans ce secteur. Mais à quoi ils servent? Ah, un monstre au robot métallique a mangé Rover! Chef, ce secteur n'est pas sûr du tout. Il n'y a plus rien à faire pour Rover. Il faut qu'on se sauve avant qu'il soit trop tard! Je ne crois pas que ce soit un monstre robot. Notre ami a dit que c'était un tuba. Il reste à savoir à quoi il peut servir. Dico Robot, analyse. Un tuba, un instrument de musique dont on joue en soufflant dans une embouchure et en appuyant sur des pistons pour créer des sons. Intéressant. Notre ami ne peut pas jouer de ce tuba parce qu'il est trop grand. Mais c'est son instrument favori. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va réduire la taille de ce tuba pour pouvoir dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, rétrécir le tuba. Faisons vite comme une météorite.
Ce sont ces espèces de gros nœuds qui le rendent énorme. Ce serait mieux si c'était moins entortillé. Comme cet instrument. Nouvelle idée de patrouilleur. Peut-être qu'on peut dénouer le tuba. Chef, selon tous mes calculs, il est impossible de démêler ce tuba. On a besoin de muscles pour cette mission. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot. Lequel d'entre eux il nous faut? Il y a un robot pour ce boulot. C'est lui le plus costaud. Costaud robot, activation. Costaud robot, à votre service, chef. Ouh, je suis gros et costaud. C'est ça qu'il nous faut, Costaud robot. Est-ce que tu peux démêler ce tuba? Oui, chef. Eh bien, ça n'a pas marché. Que pourrait-on faire d'autre pour le rétrécir? Il n'y a pas moyen de rétrécir ce tuba, à moins d'être équipé d'un genre de rayon rétrécissant. Je ne crois pas que nous ayons quelque chose de genre. Mais on sait tous qu'on a un robot qui a un rétrécisse-spray. Il y a donc un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, pour lequel on se décide. Il y a un robot pour ce boulot, qui est un expert en liquide. Liquirobot, activation. Liquirobot, à votre service. Bienvenue dans cette mission, Liquirobot. Peux-tu rétrécir ce tuba pour que notre ami puisse en jouer? Oh, mais oui, avec plaisir! Démarrage de la sélection du liquide angluo-collant! Mon liquide angluo-rétrécissant! Ça devrait faire la liquide affaire! Ça fonctionne! Le tuba devient plus petit! Je rajoute un petit peu de liquide angluo-rétrécissant et... il n'y a plus rien qui sort! Costaud robot, tu écrases le tuyau! Oups, désolé. Moi, je ne ferai pas ça! Eh bien, je crois qu'on a rétréci notre patrouilleur de l'air. Et Rover! Je crois que ce n'était pas une bonne idée. Je me trompe. Nom d'un vortex polaire, Rover! Je crois qu'on a rétréci. Ne t'en fais pas. Un patrouilleur garde son calme, quelle que soit l'alarme. Il faut qu'on rejoigne Liquirobot rapido pour qu'il nous rende notre taille. Roger! Rover! Oh! C'est inutile! Ils sont trop petits pour que je les voie. On ne les trouvera jamais! Ouh! Je peux boire dans cette chose. Costaud robot! Allons, voyons, il faut te ressaisir. C'en est trop, je prends le contrôle de cette mission. On doit rester concentré. On ne peut pas être distrait par... Oh, oh, ça brille. J'adore ce son. Cette musique est géniale. Ça y est, je sais, on va reformer le groupe. Comète! Mais que se passe-t-il? Qui est le grand chef des robots? Celui qui est le plus beau des ICO robots! Oui, c'est moi! J'ai comme l'impression qu'on est en train d'oublier quelque chose. Oui! Il nous faudrait danser! Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1. Il faut que je nous mette à l'abri. De rien, mon rover. Hé, les robots, on est par ici. Ça ne sert à rien. Ils ne peuvent pas nous voir. La la la!
Hey, y a quelqu'un qui joue faux. C'est une idée sidéralifique, Rover. Les robots ne peuvent pas nous voir, mais peut-être qu'ils peuvent nous entendre. 3, 2, 1... est en train de jouer tout seul. Je ferais bien d'y jeter un œil. Roger. Rover. Vous voulez vous joindre au groupe? On doit leur rendre leur taille. Ah, oh, c'est vrai. J'oubliais ce détail. J'ai justement l'angluo agrandisseur liquide qu'il nous faut. Ah, là, c'est mieux. On est content de vous revoir, chef. Licky Robot, peux-tu rétrécir ce tuba juste un petit peu plus, s'il te plaît? À vos ordres, chef. Ça devrait être la taille sidéralifiquement parfaite pour que notre ami en joue enfin. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Ton tuba a l'air différent. Hé, je peux jouer maintenant. C'est moi ou il a rétréci? Mais comment? Le patrouilleur Roger. Génial. Merci, Roger. C'est sidéralifique. Lance-les. Lance-les super haut. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne sais pas. Hier, il n'y avait pas de problème. On s'en occupera plus tard. Viens. Oh, oh, Robert. Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot. Chef. Je suis prêt à rendre service. De partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. Licky-Robot, Récu-Robot, Répa-Robot, Débat-Robot, Brito-Robot, Costa-Robot. Alors, quel robot il vous faut? Moi. On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Quelque chose de terrible est arrivé à ce mini-patrouilleur. Il ne bouge pas du tout. Est-ce qu'on est les prochains? Chef, je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. On doit essayer de comprendre ce qui lui arrive. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec son appareil volant. Dico Robot, identification.
C'est un parachute. C'est ça, un parachute. C'est quoi un parachute? Un parachute freine le mouvement pour que le mini-patrouilleur soit capable d'atterrir en douceur. Ce parachute ne freine pas du tout. Donc le mini-patrouilleur ne peut pas finir sa mission. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. On va réparer le parachute et nous pourrons dire que tout est parfait. Bien compris Roger, ta mission, réparer le parachute. Faisons vite comme une météorite. Peut-être que le parachute a besoin de plus d'air. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'air? Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on amène? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un champion de l'hygiène. Récu-robot, activation. Récu-robot, à votre service. Récu-robot, j'aimerais que tu utilises ton tuyau pour souffler de l'air dans ce parachute. Tuyau ouragan prêt à servir. Attends d'abord que je le lance et ensuite, c'est à toi de jouer, Récu-robot. Maintenant. Eh bien, il y avait pourtant de l'air, mais ça n'a pas marché. Essayons de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Juste une spatio-seconde. Je vois quelque chose. Il y a un trou dans le parachute. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. On doit fabriquer un nouveau parachute. En fabriquer un nouveau? Chef, mais c'est impossible! Rien n'est impossible pour un patrouilleur de l'air. Et surtout pas quand il a des robots. Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brique robot, activation. Brique robot, à votre service. Brique robot, il faut que tu fabriques un nouveau parachute pour ce mini patrouilleur. Moi, Bricorobot, je vais fabriquer un super, méga, génialo-fabuleux parachute de patrouilleur de l'air. Et il deviendra l'une des merveilles de notre univers. Constructus, Maximus, Parachutimus. Beau travail, Bricorobot. Allons l'essayer. Nom d'une galaxie! Ce parachute est gigantesque! Il est emporté! Attrapons-le! Il part dans l'autre direction! Je vais la voir! Non, je vais la voir! Nettoie, nettoie! Je n'ai pas réussi. Eh bien, moi non plus! Nettoie pas! Où est le mini-patrouilleur? Nom d'une fusée! Il est coincé sur ce... Mais qu'est-ce que c'est? C'est un moulin à vent. Quand le vent souffle, les ailes tournent sans arrêt. Je vais la voir! Non, c'est moi! Nettoie, nettoie! Oh non! Les petits robots, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je n'ai pas réussi. Eh bien, moi non plus. Nettoie pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ce moulin à vent semble aller de plus en plus vite. Chef, si l'on se fie à tous mes calculs, le parachute est gonflé par le vent. Le moulin à vent va donc plus vite. La question est, qu'est-ce que nous allons décider de faire? Un patrouilleur reste calme, quelle que soit l'alarme. On doit trouver le moyen de ralentir ce moulin. Très, très sale, hein? Je pensais à ça.
Peut-être que tu pourrais ranger ton tuyau ouragan. Il y a déjà bien assez de vent ici. Du vent ! Dico Robot, tu m'as donné une idée sidéralifique, mon ami. Qui, moi ? Enfin, je veux dire, je le savais. C'était quoi déjà mon idée sidéralifique, chef ? Juste pour que Rover soit au courant. Si le vent fait bouger les ailes dans un sens et qu'elles vont aussi vite, alors peut-être que si elles vont dans l'autre sens, ça ira moins vite. Oui, c'était exactement ça mon idée. Et on fait comment, chef ? Avec notre propre vent, Riku Robot, il faut que tu utilises ton tuyau pour que le parachute vole dans l'autre sens et qu'il ralentisse le moulin à vent. Faisons vite, comme une météorite. Tiens-toi prêt, Riku Robot. Je vais me préparer à attraper ce mini-patrouilleur. Chef, si l'on se fie à tous mes calculs, c'est impossible d'attraper ce patrouilleur, à moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas. Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Non, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Maintenant, Riku Robot, tu peux souffler. Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Le moulin est en train de ralentir. C'est ma seule chance. Il faut que je sois spatio-synchro. Je le tiens. Il a réussi. Riku Robot, tu dois fabriquer un plus petit parachute pour que le mini-patrouilleur ne soit pas emporté. Comme vous le diriez, chef, faisons vite comme une météorite. Construitus, minimus, parachutimus. Merci, Riku Robot. À présent, le parachute est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Hé, notre jouet! Il a l'air différent. Alors, on le relance? Chouette! Ouah! Merci, patrouilleur Roger! C'est sidéralifique!